bienvenue pour cette nouvelle vidéo demi-finale des Hunger Games spécial vilain Disney. Ils ne sont plus que trois, deux hommes, une femme, Facilier, Grimild et Gaston. Increvables jusqu'à aujourd'hui, ils brillent par leur réputation et leur facilité diverses et variées. Mais aujourd'hui, il y en aura un de moins. Alors, est-ce que ce sera une finale spéciale masculine ou une finale homme-femme ? Des plus qualitatives. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la prochaine épreuve. Et c'est le bowling aujourd'hui qui va départager nos finalistes. Ils vont se déplacer face à cette magnifique piste. D'ailleurs je ne sais même plus comment on fait pour la mettre en version nuit. Et ils vont s'affronter, jouer au bowling en 5 frames. Ah bien sûr, ils sont déjà partis ces idiots là. Non, les échecs c'est pas maintenant. Parce que c'est le destin qui va parler, hein. Il y avait que Gaston qui n'avait pas été aux échecs, donc on sait pas trop. Jouer au bowling, faire une partie en 5 frames, ensemble, c'est parti. Non, Gaston, n'allez pas n'importe où encore une fois, je veux que vous jouiez, c'est maintenant, ok? C'est Docteur Facilier qui commence. Oh le B! Il a fait un strike le mec, d'entrée de jeu, il a jamais joué. Mais je suis Keisho. Grimild va prendre le relais. Facilier, il est déjà bien parti. Hein. Alors, je pense que je vais faire deux parties. Cette première partie à 3 va déterminer un vainqueur qui sera épargné. Et puis, les deux autres vont se réaffronter pour savoir qui sera le perdant. Ah, pas mal. C'est à Gaston de jouer. Aïe. Ah bah... Ah oui, mais Gaston, c'est le plus fort en même temps. Hein, donc c'est pour ça qu'il en balance sa boule très loin, sans marquer de points. C'est... Ouais. Et c'est re-Gaston qui joue. Mets-y tout ce que tu as. Décidément, tu es nul, mon gars. Ah, c'est très nul. Archi nul. Facilier reprend. Ah, bah... Quand même, c'était un coup de bol, ce strike, on est d'accord. Facilier va reprendre sa boule. Oh, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. Grimild prend le relais. Eh, ils sont tous passés par un beau raté quand même, hein. C'est bien, mais il faut, c'est normal, ils débutent, hein. Qui n'a jamais fait ça au bowling? Elle retente. Waouh! Elle a fait un strike, la meuf, incroyable. Waouh! Bah c'est, franchement, elle passe du raté total au strike total, quoi. Gaston reprend les choses en main. Bah, c'est pas ouf, hein, mon gars. Facilier reprend. Ouais, bah écoute, il y a mieux, il y a pire. C'est encore au tour de Grimild de reprendre la boule. Est-ce qu'elle va la perdre? Ouah! Elle m'a fait une boule de feu, la meuf, avec un strike derrière. Mais Grimild se défend bien, Grimild. Tu vas aller en finale, Grimild. C'est Gaston qui reprend. Eh, Gaston se défend, c'est pas ouf, mais il essaye. Ah! C'est fini? Elle a gagné avec un score de 38. Franchement, j'y croyais pas, vu que lui, il a fait deux strikes et tout. Mais ouais, alors tu me diras, elle a fait deux strikes, dont un avec un boulet de feu. Regardez ce visage de meuf. Ce visage de meuf contente et sûre d'elle, là. Bon, Grimild, tu es en finale. Tu peux rentrer à la maison. Ouais, rigole pas trop, toi, mec, parce que vous allez jouer, maintenant. Allez, vous allez faire une... En 5 frames, encore une fois, spécial garçon. Non... Arrête avec le ballon. Je vais vous enlever les ballons. Tu joueras au ballon dans ta tombe avec tes potes. Allez les gars, l'un de vous part en finale et l'autre va mourir. Bon, arrête de bouffer toi. Joue. Allez, dépêche-toi. Ouais, c'est ça. Il fait beau, l'air est pur. Ah bah dis donc, ils mettent le temps à se bouger le fion que ça. C'est parti. Qui est de Gaston de Facilier va perdre. En tout cas, Gaston était mal barré à la première partie, hein, on va pas se le cacher. Il était... assez nul, normalement. Sauf s'il se ressaisit, sauf si le cake au fruit lui a fait quelque chose. Facilier tire. Ok, j'ai l'impression que c'est un peu égalité pour l'instant. C'était une impression, parce que je n'y connais rien. Et j'ai pas vraiment fait attention. Gaston, heureux, part. Et, oh, niveau 2. Bah, c'est pas terrible, là. Franchement, là, 3 quilles. Si Facilier fait un strike, t'es mort, hein, mon petit. T'es qu'à de le dire, d'ailleurs. Facilier reprend la balle. Oh, et c'est un presque strike, les enfants. Ouais, Facilier mène la danse, hein. T'en dis quoi, Gaston? Est-ce que ce sera toujours toi le plus fort, Gaston? C'est parti. Ah. Ouais, pas dingue, hein. Facilier reprend la game.
Oh le bâtard, il a fait un strike. Alors qu'au début, il a lancé n'importe comment. Oh bah tu peux danser. Je pense qu'en effet, tu t'as le droit de danser. Je crois qu'il va gagner le mec. Pour moi, il y a un peu de doute là. Ouais non mais oui. Et Gaston, je pense que tu peux être habillé, mon gars. Ouais non, il est gêné. Il a le pipou qui a envie de suinter. Là, il sait plus hein. Bah mec, t'as même pas fait un strike. Regardez comment il danse. Samba. Il a gagné. Ils doivent tous les deux pisser. C'est la détresse dans les yeux de Gaston. C'est pas ouf. Alors que la pluie de nouveau s'invite. Et effectivement, je pense que la vaincurisée... je sais plus parler. Non, non, c'est pas encore fini en vrai. C'est peut-être le dernier. Hein. Facilier de tir. Ah ouais. Bah, en même temps, il a déjà fait quand même un beau score, je pense. Tu as faim? Ah ouais, mais il a gagné facile. J'allais dire, c'est dommage, parce que si c'était lui qui perdait, la mort serait toute trouvée. Malheureusement, il a gagné. C'est Gaston poil au fion qui a perdu poil au cul. Le plus fort, c'est Gaston. Le plus beau, c'est Gaston. Bah, en fait, non. Allez! On peut renvoyer facile chez lui. Et on va s'occuper de toi, mon petit Gaston. Ah ah. Et c'est sous la pluie battante que notre petit Gaston... rejoins le poulailler. Faire sortir les volailles. Oh, c'est carrément une poule dorée que nous avons dans le truc. Ok. Non mais pourquoi pas. J'ai envie qu'il meure via une petite poule hein. Lui qui a l'habitude de les chasser dans le film. Qui chasse toutes les poules et que toutes les poules sont à ses pieds. Et là, je me suis dit, on va faire une petite poule qui va le tuer. Un petit... Ah bah elle sort, ça y est. C'était long à sortir ces petites poulettes. Voilà, magnifique. J'en ai mis d'autres des poulettes. On a une dorée, on a une noire, une normale. Alors bon bah c'est parti hein. Il va être méchant avec les poules. C'est tout le but de la chose. C'est pas gentil pour les poupoules, mais vous inquiétez pas, elle se défendra très bien. Première sortie, première agressée. Alors, méchant Gaston, regarde la poule, elle t'aime pas. Oh non, pauvre petite poulette. Oh. Alors, pour la mort, via la poupoule, il faut être très négatif avec elle. Là, il se pisse dessus, ça c'est pas un souci. J'avais déjà fait une vidéo à la sortie de via la campagne, si vous voulez aller la voir. La mort par les lapins et les poules. Il faut être méchant. Il faut être méchant. Au bout d'un moment, la poule, elle va vouloir lui casser la gueule. Et c'est la troisième fois qu'elle vous casse la gueule que le Sims meurt. Allez, on va continuer l'agression. La pauvre poulette. Bah, quand il la caresse, elle dit quand même oui, hein, la coquine. Bon, pour l'instant, on n'aime pas encore à la moitié de la haine. Hein. Ah, ça y est. Ça y est. Un premier combat. Gaston contre poule. C'est que le premier. Hein. C'est que le premier. Ah, elle est vénère. La poulette, elle est si mignonne. J'aime trop leurs fesses. Ah, ça me fait rire. J'aime trop les poulettes, c'est trop marrant. La vilaine poule, elle est rentrée. Tu vas lui faire une blague. Non, mais elle veut pas te parler, en fait, elle veut plus. T'as été trop méchant, Gaston. Tiens, ta poule, elle est ressortie. Tu vas pouvoir l'agresser de nouveau. Qu'on rigole un peu. Tu vois, ça m'arrave la tronche. Méchant, Gaston. Ah, niveau 2 de malice. On va peut-être pouvoir diversifier. Non, c'est toujours la même chose. Ah! Deuxième fois! C'est un peu long. Hein, par rapport au nigiri. Quoique le nigiri, on a un peu galéré quand même. Hein. Et c'est une deuxième fois. Je l'adore, la poule, elle est trop cute. Deuxième fois pour Gaston. Eh ouais, c'est ça d'être méchant avec les poules. Hein? Et de les harceler. Espèce de stalker de poules, va. Oh non, elle est rentrée. Allez, c'est parti pour effrayer de nouveau la petite poule. Allez, défends-toi, ma belle. Ça y est! It is time! Assis, mon gars. Assis, mon gars. J'adore. Poule est partie. Mais il est pas mort? Ah, je pense qu'il faut encore avoir le moodlet dans les 3 heures. Mmh. I see. Elle est partie où? Elle est rentrée? Oh, punaise. Par contre, c'est un peu chiant. À chaque fois, si elle re-rentre, que c'est galère pour la faire ressortir, on va jamais y arriver. Hein. La revoilà. La belle poulette. Allez,
C'est parti pour l'effrayer de nouveau, encore et toujours, comme un salopio que tu es, Gaston. Le plus beau, c'est Gaston, le plus fort, c'est Gaston, et c'est Gaston qui va se faire casser la gueule par une poule. Ça y est, on y est. Oh, c'est... Regardez-moi cette... J'adore trop, avec la poule derrière qu'on voit qu'elle est en train d'attaquer. Incroyable photo. Il meurt pas ou quoi? Notre poupoule est ressortie. On va refaire les agressions. Mais je vais virer le poulailler aussi. Parce qu'à chaque fois, elle rentre dedans. Et moi, ça me fait perdre du temps. Et le temps, c'est du temps perdu pour Gaston. Qui, lui, n'attend qu'une chose, c'est de mourir. C'est long, hein, quand même, cette mort. Là, elle réfléchit, elle dit... Je lui lance l'assaut final à celui-là ou pas, là. Je pense qu'il est temps, quand même, à Cocotte. Hein. Ah, tu peux courir et il n'y a plus de poulailler, Cocotte. Hein? Hein? Elle s'est dit, oh merde, elle est où ma baraque? Elle est dans le sauna, la baraque. Oh, Bûchette, elle est trop cute. Il est temps que tu le tues. Oh, attends, il va te marcher dessus, meuf. Ah! Gaston a continué à être méchant avec une volaille maléfique alors que cette dernière était malheureuse. Il tire vraiment sur la corde. S'il fait cela une fois de plus, cette volaille maléfique va se mettre en colère et ça ne va pas être agréable pour Gaston. Cette fois, ta vie a vraiment dépassé les bornes. Sa volaille maléfique n'en peut plus de la méchanceté. Tu vas pas me dire qu'à force de faire des mises à jour, même ça c'est bugué, ça ne marche plus comme mort. Moi, ça va pas être possible, hein. J'ai hésité à le tuer avec le hamster. Ah, j'ai retrouvé la poule, elle est là. Elle s'était barrée. Je n'ai jamais réussi à le tuer, c'est un enfer. Ah, puis alors, laisse tomber l'orage et tout, machin. Oh non, ma poupoule, elle est là. Viens l'effrayer. Allez, viens. Va te faire marave la tronche. Oh yes! Ça y est! Poupoule a gagné, je sais pas combien de fois il a fallu se battre, mais je n'y croyais plus. Oh la vache! Gaston s'est fait marave la gueule par une poupoule. Bien fait! Clairement bien fait! Cette pauvre petite poulette pourra retrouver son poulailler chéri. Ah, qui c'est qui est dehors? C'est Hadès qui est sorti de sa tombe pour accueillir Ben Gaston, qui échoue à la porte de la finale de ce Hunger Games spécial vilain Disney. Faucheuse emmène cette âme impie, même pas digne de figurer son panel des grands vilains Disney. Bon, on récupère la tombe de notre ami Gaston. Ils sont désormais 5 dans ce petit cimetière improvisé. La petite poule, elle est là. Et puis, ben, on se retrouvera la semaine prochaine pour la grande finale. Grimild contre Facilier. Les pronos dans les commentaires, les pouces bleus, évidemment. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!